Salut les amis, bientôt une nouvelle vidéo sur la barbe, mais aujourd'hui je vais vous présenter un produit qui vous évitera ce genre de situation. Bonjour mademoiselle, ça vous dit d'aller boire un verre? Ouais d'accord. On peut aller au café du coin là-bas si vous voulez. Non, je crois pas, non. You lose. Ce produit, c'est Etiaxil. C'est un détranspirant. C'est ce qui donne le cancer de Crohn, hein? Alors non, ça donne pas ça. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a rendu un rapport en 2011 qui écarte tout lien entre le cancer et les produits à base de sel d'aluminium. Donc grâce à ce produit, vous ne serez plus du tout des aisselles. Fini les auréales, vous pourrez même danser en boîte de nuit, en chemise, les bras en l'air, sans problème. Eh, hey, tu danses? J'ai pas d'auréales. Alors, si vous vous posez la question, est-ce que c'est dangereux pour ma santé de bloquer ma transpiration? Faut savoir que c'est dangereux uniquement si vous bloquez plus de 10% de vos glandes sudoripares. En sachant que les aisselles en contiennent seulement 1%, il n'y a aucun problème. Alors pour l'utilisation, c'est très simple, il suffit de respecter la règle des 3 S. Si, sex and sun. Hein? Non. C'est le soir, sur une peau saine, donc sans irritation et sans coupure, et sur une peau parfaitement sèche. Ah oui, et si vous avez une grosse touffe sous les bras, je vous conseille de raccourcir à la tondeuse afin que le produit soit totalement efficace. Alors pour l'utilisation, c'est très simple. Donc c'est un petit stick comme les déodorants classiques. Et vous faites juste un aller-retour sous l'aisselle. C'est tout, pas plus. Si vous sentez les premières fois que ça picote un peu, que ça chauffe, c'est normal lors des premières utilisations. Si ça vous brûle vraiment trop, c'est que vous en avez trop mis. Dans ces cas-là, lavez-vous les aisselles et recommencez le lendemain soir le traitement. Voilà, donc une fois que vous avez appliqué le produit, vous laissez sécher à l'air libre, vous allez faire dodo, et le lendemain matin, vous rincez à l'eau et au savon. Pour la fréquence d'utilisation, commencez par 3 soirs consécutifs, ensuite 2 fois par semaine, et pour finir, uniquement quand vous sentez que l'efficacité du produit commence à s'estomper un petit peu. Par exemple, moi j'utilise le produit que 2 fois par mois, c'est tout. Voilà, donc le produit s'appelle Etiaxil, ça coûte environ 6€, vous le retrouvez dans les pharmacies, les parapharmacies, et il existe en version peau normale et peau sensible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la partager, surtout sur le mur d'amis qui ont tendance à se faire un petit peu trop, et à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Tchou !